celebramos la fiesta de San Benito, patrón de Europa. Bienvenidos también a todos aquellos que nos siguen a través de Internet en Lourdes TV. Saludamos de manera especial a los peregrinos del grupo Hijas del Amor Misericordioso y al grupo de la parroquia de Nuestra Señora de la Iniesta. La Eucaristía de hoy será presidida por Su Excelencia Monseñor Din Shan, obispo de Soissons. Queridos amigos, son tantos los grupos, familias y particulares que están presentes que no podemos mencionarlos a todos. Por eso os saludamos cariñosamente a todos vosotros y de un modo muy especial a los enfermos y a los jóvenes aquí presentes participando en esta Eucaristía. Recuerden apagar sus móviles y de no hacer fotografías durante la celebración. Un aviso para aquellas personas que sean celíacas y que quieran recibir la comunión. Podrán hacerlo acercándose a la cruz que está aquí en el altar, donde habrá un sacerdote para distribuirla. Preparémonos ahora para vivir la Eucaristía. Hagamos silencio y recemos los unos por los otros, también por los sacerdotes y los hospitalarios que sirven al santuario. Dejémonos encontrar por el Señor. Grüß Gott und ganz herzlich willkommen zu dieser heiligen Messe, die wir heute am Fest des heiligen Benedikt hier in Lourdes in der Basilika Pius des X. begehen. Die heilige Messe steht unter der Leitung des Bischofs, des französischen Bischofs von Soissons. Ganz herzlich grüße ich alle hier Anwesenden, deutschsprachigen Pilger, ob sie alleine in Familie, in kleinen Gruppen, ob jung, ob alt, ob krank, und die organisierten Gruppen. Unter ihnen grüße ich ganz herzlich eine Gruppe aus Passail und aus Klettgau in Österreich. Ganz herzlich willkommen. All jene unter Ihnen, die unter Syrakie leiden, es besteht die Möglichkeit, während des Gottesdienstes unter dem großen Kreuz glutenarme Hostien zu empfangen. Und auch all die grüßen, die mit uns via Internet verbunden sind, auch Sie können in den kommenden Wochen und Tagen noch diesen Gottesdienst sich einmal unter Lourdes TV anschauen. Wir dürfen Sie ganz herzlich bitten, während des Gottesdienstes Ihr Mobilfunkgerät auszuschalten. Gemeint sind Smartphones. Auch das Fotografieren, ob mit dem Smartphone oder mit Ihrem Fotoapparat, sollte möglichst niemand unternehmen mit Rücksicht auf alle anderen. Wir danken ganz herzlich für Ihre Rücksichtnahme. Ein ganz großes Wort des heiligen Benedikt, so beginnt seine Regel, höre. Und so wollen wir nun auf das Wort Gottes hören, damit wir ihn in unserer Mitte in entsprechender Weise und aufgeräumt empfangen können. Lasst uns nun mit dem Chor einstimmen in diese heilige Feier. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Bonjour et bienvenue à vous tous, pèlerins de langue française. Et je suis heureux de pouvoir accueillir de manière spéciale aujourd'hui les pèlerins de Soissons avec Monsieur Renaud de Dinichin qui présidera notre célébration. Bienvenue aussi aux pèlerins du diocèse d'Amiens avec Monsieur Olivier Leborgne. Et de l'hospitalité du diocèse de Bordeaux avec Monsieur Bertrand Lacombe. Et du diocèse de Saint-Dié avec Monseigneur Didier Berthet. Et du diocèse de Fréjus-Toulon avec Monseigneur Dominique Ray. Bienvenue aussi aux sœurs dominicaines de la présentation de Tours. Bienvenue aussi aux pèlerins de Rodrigue et de l'île Maurice. Et du pèlerinage paroissial de Cany-Barville de l'ancienne maritime. Aujourd'hui, avec toute l'Église, nous célébrons, nous fêtons Saint-Benoît, patron de l'Europe. Demandons sa sagesse et demandons aussi la prière et son intercession à la Vierge pour notre continent, qu'il puisse dépasser les difficultés de ces derniers temps. Et accueillons les uns les autres de différents pays, accueillons les uns les autres en priant ensemble. On ne fait pas la guerre. En chantant ensemble, Alléluia. Good morning and a warm welcome also to all English-speaking pilgrims gathered here together with so many others for our International Mass on this feast day of Saint Benedict. You're all very welcome. I'm glad to welcome in a special way the pilgrims from the Archdiocese of Saint Andrews and Edinburgh with Archbishop Leo Cushley. Welcome also to the pilgrims coming from Colombo, Sri Lanka. And from Klatova in Slovakia. And from Canton in China, and from Poland also. And from Malta. Together here on this feast day, of our saint patron for Europe, let us ask for his wisdom. And let us ask also the help of Our Lady of Lourdes, for our continent Europe, so that may we overcome, go farther than the difficulties of our continent in these years. Let us be together, let us welcome each other, and let us sing together, Alleluia. Goedemorgen ook en van harte welkom aan alle Nederlandstalige pelgrims hier ergens verspreid in deze grote kerk. En het bijzonder van harte welkom aan de pelgrims van de Boerenbond, de landelijke beweging uit Vlaanderen en van de Zigeuner uit Diepenbeek, Bisdom Hasselt. Van harte welkom. Samen met alle anderen hier verspreid of thuis via het internet en TV Lourdes, om samen met ons trouw deze Eucharistie te vieren,
op deze feestdag van de heilige Benedictus, wel patroon, een van de patroons van Europa. Europa dat zijn moeilijkheden kent in de laatste jaren, mogen wij de wijsheid van Benedictus hebben en ook de hulp van Maria, onze lieve vrouw van Lourdes, om onze moeilijkheden voor ons continent te overwinnen. Laten wij in vreugde samen zijn, maar laten wij vooral ons hart openen voor de Heer, Hij die ons hier bijeenbrengt. Laten wij het rustig maken en we beginnen zo dadelijk aan de viering. Servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Acclama il Signor terra intera, servi dal Signor con allegria, entrate in sua presenza con vitores. Joy to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before Him singing for joy. Mit Blitz gab der Herr, tritt und besorgt sein Handkehn. Jungs von dem Herrn, alle Länder der Erde, dem Herrn mit Freude, kommt von sein Antlitz mit Jubel. Jubilate,
garder mes commandements, la terre donnera ses produits et les arbres donneront leurs fruits. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Pondrei mi morada entre vosotros. Caminare entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Among you, I will walk with you, I will be your God and you will be my people. Ich werde bei euch sein, ich bin mit euch auf dem Weg, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Vous mangerez de votre pain à satiété, vous vivrez en sûreté, je mettrai la paix dans votre pays. Ac
acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Joy to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before Him singing for joy. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bénissons Dieu, présentons-nous devant Lui, en vérité. Faisons silence quelques instants, pour que notre célébration soit authentique, en vérité, dans le Seigneur. Faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, tous les saints et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Trinité Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere pregationem nostram. Dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dal libro del Proverbio. Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza. Dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je bénirai le Seigneur en tout temps.
sa louange sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Dirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli uomini e si rallegrino. On my lips, in the Lord my soul shall make its boast. The humble shall hear and be glad. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Trägt der Himmel ein Hort entzu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Spirito, porque de Dios es el reino de los cielos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus : Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? Jésus leur déclara : Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.
Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse. Nous avons entendu les recommandations dans le livre de la sagesse. Pourquoi l'écoute est-elle si importante chez l'homme de la Bible? Pourquoi l'oreille du cœur est-elle le chemin de vie pour Saint Benoît? Savez-vous, frères et sœurs, quelle est la première prière que mémorise tout juif croyant dès son enfance ? Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Que ce soit dans la religion juive ou dans la religion chrétienne, l'écoute est connaturelle à l'homme de la Bible. Une remarque essentielle. En hébreu, on utilise le même terme pour dire écouter et obéir. Shema. Shema Israël. Écoute Israël. Il s'agit de l'écoute du cœur. C'est une écoute qui est simultanément docilité intérieure. On n'est pas dans l'obéissance formelle, on est dans la docilité intérieure. Aussi, la règle de Saint Benoît commence-t-elle ainsi. Écoute, ô mon fils, les préceptes du Maître et incline l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers l'avertissement d'un Père plein de tendresse. Alors posons-nous la question, pourquoi l'écoute est-elle aussi essentielle à la religion chrétienne? Eh bien parce que, depuis le commencement de l'histoire biblique, Dieu se révèle comme parole. Ainsi s'ouvre l'Épître aux Hébreux qui résume en une phrase l'itinéraire de la parole de Dieu jusqu'à l'incarnation du Fils de Dieu. Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces derniers jours où nous sommes, nous a parlé par son Fils. C'est le grand mystère, le sublime mystère que nous proclamons trois fois par jour dans l'Angélus. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Comme nous le montre de manière claire le prologue de Saint Jean, le Logos, la parole, désigne à l'origine le Verbe, c'est-à-dire le Fils unique engendré par le Père, avant tous les siècles, qui est lui-même consubstantiel. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Mais ce même Verbe, affirme Saint Jean, s'est fait chair. C'est pourquoi Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, est réellement le Verbe de Dieu, qui s'est fait consubstantiel à nous. Par conséquent,
L'expression « parole de Dieu » indique ici la personne de Jésus-Christ, le Fils éternel du Père, fait homme. La religion chrétienne n'est pas, comme certains le pensent, une religion du livre. Et pourtant, nous vénérons beaucoup les Saintes Écritures. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, parole vivante. Non d'une parole écrite et muette, mais du Verbe incarné et vivant. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Benoît. Bénissons Dieu pour l'incroyable paternité de ce moine du VIe siècle. Il est impressionnant que, de son temps, de nombreux moines l'aient rejoint, mais impressionnant aussi comme dans les siècles suivants, une formidable paternité s'est exercée dans tout l'Occident qui s'est couvert de monastères. Il a été choisi comme patron de l'Europe. Alors prions aujourd'hui pour ce grand continent, notre continent européen, devant les défis qu'il affronte, celui de la sécularisation. Et puis notre continent qui est mis au défi de l'accueil des migrants, notre continent qui est appelé à respecter la vie humaine depuis son commencement jusqu'à sa fin naturelle. Et puis levons les yeux vers le drapeau européen, 12 étoiles sur un fond d'azur. Évidemment, puisque la communauté a commencé avec 12 nations. Mais forcément, pour le chrétien, cela évoque la femme de l'Apocalypse, couronnée de 12 étoiles. Confions la destinée du continent européen à la Mère de Dieu, la femme de l'Apocalypse. Bénissons Dieu pour la grâce de Lourdes. Nous le vivons ce matin en cette messe internationale. Ici, toutes les nations se réunissent pour une motivation commune. Professer le nom du Christ et la Vierge Marie, servir nos frères les plus vulnérables. Amen. Credo in unum Deo, Padre omnipotente, factorem celi et terrae, visibili omnio, et invisibilio. Thank you.
Faisons maintenant monter vers le Seigneur, dans une prière confiante, notre supplication pour tous les hommes. Prions pour l'Église. Prions pour tous les jeunes, qu'à l'occasion du synode qui leur est bientôt consacré, ils puissent répondre généreusement à l'appel du Christ, pour se mettre au service de leurs frères. Seigneur, entends notre prière. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les personnes qui souffrent. We pray for all who are suffering in our world today, for persecution, domestic violence, abuse, war, or because of their religious beliefs. May the risen Christ, who himself knew suffering and rejection, be their inner strength. Lord, hear our prayer. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les pécheurs. Per la conversione dei cuori induriti, affinché si lascino condurre dallo Spirito Santo e scoprano così la gioia di essere salvati, preghiamo il Signore. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les familles.
Für junge Menschen auf dem Weg zur Ehe, damit sie das Leben in Freude und Vertrauen empfangen. Lasset zum Herrn uns beten. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les personnes malades. Por los enfermos, los que viven solos, los que se sienten abandonados y marginados, y por todos los que sufren por cualquier causa, para que la resurrección del Señor la fortaleza y consuele y los llene de esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, audinos. Te rogamos, audinos. Prions pour les pèlerins. Mogen alle pelgrims van Lourdes in het spoor van Maria en Bernadette het woord van de Heer begrijpen en beleven. Er steekt meer vreugde in het geven dan in het ontvangen. Laat ons bidden. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Dieu, qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le rendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus est Domine et merito te laudant omnis a te condita creatura, quia per filium tuum dominum nostrum Iesum Christum, spiritus sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congrare non designis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nimi tuo, nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, de precamur, ut ec munera, quae tibi sagranda de tulimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratia sagent, benedicit, frecit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo postquam cenatum est accipiens calicem et tibi gratia sagent benedicit dedique discipulis suis dicens accipite et bibite ex eo omnes hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Salvator mundi, alleluia, alleluia. Qui per crucem tuam et resurrectionem tuam liberasti nos, alleluia, alleluia. Expectamus adventum tuum, alleluia, alleluia. Memore sicitur Domine, eius dem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolentes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respicere quisumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eo sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Sancta Bernadetta et omnibus sanctis, quorum intercessioni perpetua apud te confidimus adiuvari. Ecce hostie nostre reconciliationis si proficiat, quesumus Domine, at totius sumunti pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinandem in terra, invide et caritate firmare dignieris. Famulo tuo, Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Nicolao, Episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis uius familiae, quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miserator coniunge. Fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus annuite, ubi fores speramus, ut simul gloria tua pereniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritu Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen.
Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
bas, un trésor dans les cieux, là où est votre trésor, là est votre cœur. Faites-vous ici-bas un trésor dans les cieux, là où est votre trésor, là est votre cœur. De riche qu'il était, se faire pauvre, bienheureux qui marche dans ses pas. Faites-vous ici-bas un trésor dans les cieux, là où est votre tutto il cuore amerai il Signore e amerai il tuo fratello. Fa così, la vita in te sarà. So rich, the Son of God, He chose for our sakes to become poor. They are blessed who follow in His steps. Eigentum verließ der Gottessohn, zu unserem Heil kam als Armer. Selig ist, wer seine Wege geht. Siendo rico se hizo pobre, continúa su ejemplo en el amor. Fete voi si va, a te sono il cielo, la cui è
Prions le Seigneur. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur, puissions-nous suivre les enseignements de Saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères une grande charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ. Gloria, gloria, Patri. Gloria, gloria, Filio. Gloria et Spiritui, Spiritui Sancto. Gloria, Spiritui, Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et in saecula, saeculorum.
gloria, gloria patri. Gloria, gloria filio, gloria et spiritui, spiritui santo. Gloria spiritui, spiritui santo.